Donc de là, on récupère les fichiers, on appelle ça, on les fait la découpe de fichiers, on envoie ensuite ça en programmation sur nos machines qui fabriquent directement. Et là, les dossiers qu'on a reçus vendredi sont tous quasiment sortis le lundi avec plusieurs machines. Et directement, on va passer à maquettage pour faire les moules directement pour que dans 8 jours, on puisse faire partir les premières pièces. Bienvenue dans le monde fascinant de l'impression 3D numérique dont on parle tant. Innovation vous fait découvrir cette semaine comment une entreprise s'est développée à Fethia, près de Limoges, en utilisant tout le potentiel du numérique, mais pas seulement, pour devenir une référence en fabrication de prototypes. Un prototype, c'est quoi? C'est un objet qui devra être produit en usine en utilisant des machines, des moules qu'il faut adapter au produit. Cela coûte cher et il faut être sûr de ne pas se rater. Pour cela, il faut trouver un moyen de fabriquer quelques exemplaires les plus ressemblants possibles afin de tester à la fois les fonctionnalités de l'objet mais aussi vérifier que son look et son design plaisent. Là où avant, on faisait au mieux une maquette en bois, l'impression 3D numérique a permis de faire des objets plus vrais que nature. C'est au niveau de l'automobile, ce qu'on appelle au niveau des feux de voiture, sur lequel on est capable de voir avec nos technos, ce qu'on est capable de faire aussi bien avec nos technos, mais en plus en termes de finition haut de gamme. Après, on peut faire aussi bien du décor, on peut faire des finitions avec transparent brillant, on peut faire la métallisation pour la partie, mais pour le milieu du luxe. On peut travailler aussi bien de l'aéronautique, on peut travailler beaucoup pour l'électroménager, c'est ce qu'on trouve pas mal ici avec des produits finis. C'est les mêmes que vous allez trouver dans le commerce, mais en fait, ils ont validé le design à partir des prototypes que nous avons faits. Quand le design a été validé, la partie technique, c'est les moules. Et ça, c'est pour les groupes italiens, carrément, on dirait un vrai couteau avec une finition, avec un toucher soft qu'on peut appeler. Et on peut aller aussi bien dans l'aéronautique pour les intérieurs d'avions. Et si on regarde, ça, c'est pour des gens qui sont en Asie, où on a un système carrément semi-fonctionnel. On peut faire des essais pour des motos de course et ce qui s'ensuit. Donc, si vous regardez, c'est du produit semi-fonctionnel. Ça permet de faire des salons, de faire des validations rapides. Et si ça doit aller plus loin, ensuite, eh bien, on n'est pas concerné parce qu'on s'arrête réellement au prototype. Axis se sert donc de plusieurs technologies d'imprimante 3D pour que la matière soit la plus réaliste possible. Parce qu'il existe en fait beaucoup de manières différentes d'imprimer en 3D. Tous les dessins sont faits par nos clients. Donc si vous voulez, les dessins, les formes sont déjà figées par les clients et nous, on doit adapter en fonction de ces formes, on doit adapter en fait la technologie qui va venir avec. Alors soit c'est de la peinture haut de gamme, soit ça sera la métallisation, en fonction de la recherche, soit c'est du design ou du mécanique ou des choses techniques, suivant s'il faut faire la mini-série, et on va adapter les technologies qui vont venir avec. Donc on est en train de repréparer les machines pour relancer tout à l'heure. Et en fait, donc là, c'est de l'impression, ce qu'on appelle l'impression 3D, avec des machines avec des lampes de fusion qui vont travailler sur la poudre de polyamide. Et en fait, si vous voulez, le fait d'avoir des lampes de fusion, on va chauffer la poudre de polyamide pour fabriquer des pièces. Là, pareil, l'inverse, au lieu d'avoir une résine époxy du côté en stéréo, là, c'est la poudre de polyamide. Et là, l'inverse, c'est qu'on va fondre la poudre de polyamide. Et quand elle est fondue, elle va se lier carrément pour faire une couche fine. Et là, pareil, on va empiler les couches les unes à la suite des autres. Là, ça sera des pièces qui vont tenir techniquement à 100 et quelques degrés, qui vont savoir faire des tests mécaniques et techniques assez forts. Et on peut les maqueter les panneaux. Une fois l'impression réalisée, par exemple pour cette machine, c'est dans un bain de poudre que l'on va pêcher les pièces. Il y a des pièces qui ont été fabriquées, qui sont fabriquées à l'intérieur. Et si on regarde, on va faire sortir la poudre et on va trouver les pièces qui ont été fabriquées. Donc ça, ces pièces vont être nettoyées et sablées. Donc c'est les pièces qu'on trouve à l'intérieur et qu'on nettoie. Donc tout est nettoyé, sablé et ensuite on va les peindre d'un certain coloris pour faire les pièces techniques. Dans ces cas-là, ça c'est les pièces qui vont être pour le groupe Seb, c'est pour l'électroménager. Ça c'est les pièces techniques qui vont être mises, c'est les systèmes de bras de maintien. Alors c'est pour des gens comme Leroy Sommer, Nidec, des gens comme ça. L'avantage principal de l'impression 3D à partir des fichiers numériques des clients, c'est la rapidité. Imaginez fabriquer une maquette en bois d'un appareil électroménager, là forcément ça change tout. Le numérique ça aide et puis surtout la techno en elle-même. La techno, il faut savoir que là, dès que ça a été commandé, c'est commandé vendredi soir, là, c'est tard, ils avaient des besoins. Ce soir, c'est prêt, c'est-à-dire directement, si on n'a pas eu le week-end, on va dire 48 heures après, déjà c'est prêt. Donc ça permet de répondre directement à aujourd'hui une demande très très rapidement. Mais des machines qui impriment en 3D, tout le monde pourrait potentiellement en faire tourner. Là où Axis a développé un savoir-faire unique, c'est paradoxalement bien loin du numérique dans la finition des pièces à la main. Peinture, ponçage, texturage, pour donner un aspect final réaliste au prototype, l'impression 3D ne suffit pas, loin de là.
un travail manuel surprenant et méconnu qui donne toute sa valeur à la chaîne de production. Là, c'est toute la partie, ce qu'on appelle la partie finition de pièces. Si on regarde, on a toutes les parties finition de pièces où on est en train de préparer les pièces, on les prépare, on les polie et on va les assembler, on va mettre des inserts et on les maquette pour en faire justement des produits finis, comme vous avez pu voir, des produits avec des peintures. Et on les reçoit sous forme de fichiers en 3D qui sont lancés sur les machines. Une fois que les machines les ont formés, nous, on s'occupe de les rendre présentables. Là, du coup, je fais ce qu'on appelle de l'ébavurage, c'est-à-dire que j'ai reçu des pièces qui sortent du coup de moules en silicone qui ont été faites d'après des pièces de stéréo qui sont venues de l'atelier juste avant. Et en fait, je dois retirer, par exemple, les petites pièces qui servent à injecter la matière. Alors, ça peut peut-être faire un petit peu artisanal, mais on utilise par exemple des lames de scie à métaux, des lames de scie à métaux qu'on va usiner pour qu'elles aient une forme particulière et un tranchant particulier. Donc du papier de verre de différents grains, du coup, qui vont être plus ou moins abrasifs. Certains vont être avec mousse, pour par exemple des surfaces qui vont être rondes et qui ne vont pas avoir d'angle à faire. D'autres vont être simplement en papier, on va utiliser des cales pour pouvoir travailler des surfaces planes et retrouver un plat en fait, sur toute la forme en fait, de la pièce. Puis après, en fonction des pièces qu'on a, on peut utiliser donc une Dremel. C'est comme une petite perceuse en fait, sur laquelle on va pouvoir venir mettre différents embouts et qu'on va utiliser comme un stylo. Les pièces finissent par passer en fait, entre nos mains et c'est avec l'expérience qu'on apprend à voir si une pièce est correcte ou pas. Moi, par exemple, je suis en train de savoir différencier des pièces qui vont pouvoir partir, qui vont pouvoir être envoyées, et d'autres pièces qui nécessiteraient plus de finition. Ça se fait vraiment, c'est plus à l'œil qu'à la main, au final, parce qu'on voit mieux les rendus. Mais je pense que voilà, si vous demandez à quelqu'un d'autre, il vous dira, ça peut être à l'odeur, ça peut être au toucher. Chacun se fait son savoir-faire et c'est quasiment artisanal. Les cinq sens nécessaires à une production qu'on imaginerait toute robotisée, comme quoi le numérique n'est pas prêt encore à se passer de nous.